Bien bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, donc on va faire du semis d'une prairie fleurie, mais avant ça on va s'attaquer à la préparation. Allez, c'est parti. Bien, donc tout d'abord, donc avant donc de faire le semis de la prairie fleurie, donc on va déjà commencer à préparer le terrain. Donc j'avais préalablement bêché courant novembre, et ensuite vers début mars, fin février, j'avais passé un coup de griffe. Bon, vous voyez que là il y a un peu une croûte de battant, ça qui s'est fait depuis ces dernières précipitations. Donc on va passer un coup de griffe pour bien casser ça, casser les mottes pour que ce soit un super lit de semences. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Voilà, donc préparation terminée, donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment un super lit de semences, hein, c'est vraiment bien travaillé, que vraiment la terre est vraiment bien ameublie. Hein. Donc c'est juste parfait donc, pour semer la prairie fleurie. Après aussi c'est qu'il y a de la fraîcheur, hein. Donc on peut positionner les graines à ce niveau là, hein, enfuir super facilement et ensuite plaquer ces graines avec le rou, mais je vous montre ça tout de suite. Voilà, bon, après vous pouvez voir qu'il y a quelques repousses de luzerne, mais bon, c'est pas dérangeant, hein. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Bon, on va passer au semis. Allez, c'est parti. Donc pour le semis, hein, n'hésitez surtout pas à bien mélanger les graines, hein. Vous voyez qu'il y a vraiment des petites et des grosses graines, donc n'hésitez pas vraiment à bien mélanger pour qu'ensuite ce soit bien homogène. Le mélange. Allez, on continue.
Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, donc ça se sème à la volée, hein, donc en moins de compliqué. Donc ensuite que vous avez fait semer à la volée, hein, moi je vais vous montrer les grains. Et voilà, il y a pas mal de grains au mètre carré, hein, donc c'est assez. Je fais un peu plus dense, hein, et sorte que, voilà, que le semis hein, se réussisse. Hein. Ouais, il y a des grains là, là, partout. Donc il reste plus que maintenant qu'à enfuir ses graines avec le râteau. Allez, on continue. Voilà, donc c'est très important donc de d'enfuir les graines dans le sol, ça permet ça favorise donc la germination, que la terre se mélange avec les graines, que les graines sont en contact avec la terre et que c'est aussi contact avec l'humidité, parce que pour le moment il n'y a pas de précipitation prévue. Bon, il y en aura dans 5 jours. Bon, ça garde un petit peu les graines dans la fraîcheur, hein. Je vais vous montrer ça, hein. Comme je vous ai dit avant, vous voyez, il y a pas mal de fraîcheur, voilà, les graines sont juste posées ici. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à passer le rouleau. Donc le rouleau permet tout simplement de plaquer les graines contre le sol, et ça favorise aussi bien la germination. Donc c'est très important de passer le rouleau une fois semé après le fleurir, ou le gazon, tout ce qui est un peu petite graine. Après, donc les graines s'enfuient, plus les graines sont petites, plus il faut les mettre pas trop profond, que ce soit vraiment grand, maximum 1 cm de profondeur pour les petites graines comme les trèfles ou la luzerne par exemple. Et après, les graines de tournesol, hein, vous pouvez déjà les mettre sur 2-3 cm, c'est déjà pas mal, quoi, hein. Donc vous pouvez vraiment, les grosses graines, plus la graine est grosse justement, plus vous les mettez en profondeur, bon, pas trop non plus, et plus la graine est petite, plus vous mettez vraiment au minimum dans la terre, quoi, enfin éviter au maximum de trop l'enfuir dans le sol. Voilà, bon, on va passer au rouleau, c'est parti. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy. That don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling desert. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire. Let me get hurt. Can we take it back to 95? Before we have this drama in our lives. Just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. But sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives. Just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Candy cigarettes and a Playboy mag. Many used to have to work for that. Work for that. Work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline 'cause it's all tied up. Just bike over then.
Voilà, donc le rouleau est terminé, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse, comme d'habitude. Voilà. Je vous ferai une vidéo d'ici à peu près, je pense, 2-3 semaines. Une fois que ça va commencer à germer, je vous fais l'évolution de la germination, du différents stades de croissance. Donc voilà, donc je vous fais une vidéo là-dessus, hein, voilà, pour voir donc, la réussite du semis. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit j'aime, à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!